ensemble, là. C'est le bon moment pour s'attraper les vrais gars. Ah, voilà ça, des... Moi-même, j'en cherche. Tchit, les filles. Regardez le gars. Je dis les filles, notre heure a sonné. Regardez le gars qui entre au guichet automatique. Smaki, joli garçon. On dit quoi? Où j'ai trouvé mon chéri de Desombo? Mon Desombo est gagné. Non, hein. C'est mon gars. C'est mon gars de tous les jours à partir de décembre, là. Il est mon gars jusqu'à... Vous dites quoi même? Il a dit, on laisse copine là de côté. Lui là, c'est moi qui l'ai repéré. Ma chef, on est venu ensemble. Hé, hey, mon petit, est-ce que tu as fini mon retrait? Oui, vieux père, c'est ton argent. Hé, aïe, donc l'argent c'est pour ton vieux père. Donc toi, tu n'as rien et puis tu nous fatigues là. Mmh? Ah. Coco, le boss des boss. Aïe, tu vas où? C'est moi qui l'ai mon chéri, attends, c'est mon chéri. Viens, arrête, vois-tu là ici. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Tu vas où? Madame, comment ça? Tu te souviens pas de moi, quoi? Non, hein. Hi. C'est pas toi, tu m'as dragué en janvier ici, là. Ah. Ah bon? Oui. Je voulais te dire que j'accepte maintenant. Oh, Jean, tu es trop intelligente, quoi. Je vais te donner ma réponse après les fêtes. Pantou, où tu vas? Je sors. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent se cacher. Oh. Mon bon année, l'argent. Hé, hey, Norbert chérie, qui te demande l'argent là-bas là? Hein? C'est qui? J'espère que c'est pas cette sorcière-là, hein? Ce sont les enfants du quartier. Hé, hey, j'ai fini avec Kofi. Je m'en vais maintenant chez Ibrahim. Hein? Ils sont où? Ils sont passés par là. Je suis venu chez toi là, j'ai vu un tout dans ta cuisine, hein. Ah, toi tu es trop fort, hein. Oui, tu tombes bien même. On va manger son plat ensemble. Alors, ma sweet chocolate, comment est-ce que vous trouvez mon plat? Oh, je l'ai fait avec tellement d'amour. Oui. Hey, vous voulez vous tuer? C'est toxique ce que vous avez mangé là. On n'avait pas le choix, oh. On voulait lui faire plaisir. On fait comment? Tout ça, c'est de ta faute. Si on était resté assis tranquillement, on n'allait pas se faire larguer comme ça. C'est maintenant que tu dis ça. C'est maintenant. Tu n'avais qu'à coller tes grosses fesses de sorcière à la maison. Hein? Qui t'a demandé de me suivre même? Quitte là! Chut! Regarde devant toi là-bas. Hé? Hey, ça c'est quoi ça encore? Attends! Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Attends, princesse. Je reconnais ce monsieur. Il m'a abordé dans le maquis tout à l'heure. Ah! Le vieux Soula là! Oui! Hé, hey, ma fille, on dit quoi? Tu veux boire un coup avec moi maintenant? Hein? Hé, hey, ma paysse, vous ne m'avez pas remarqué? Hein? Si tu es garçon là, parle encore. Faut parler. Tu vas où? Viens ici maintenant. Ah, gaou là. Hé, hey, elle va me rendre sourde celle-là. Hein? Bouge de femme! Regardez un peureux comme ça. Avec ça, c'est lui qui veut braquer les gens. Reviens quand tu vas nous braquer. Tu vas nous croiser sur ton chemin. Gaoula. Il n'est pas peureux, c'est toi, tu n'es pas normal.
Bon, on va faire quoi de celui-là même? Hé, hey, tonton, tu sens l'alcool comme ça. Ah. Mais en tout, là, il nous faut une voiture, hein. Sinon, on ne pourra aller nulle part avec ce sou-là, là. Ah. Hé, hey, la fille. Moi, j'ai une voiture. Venez. Viens vous déposer. Vous allez où? Hein? Antou, attends, façon tu t'en vas là. Tu es sûr que tu sais conduire. Fais doucement, pardon. Ah, ma chérie, laisse ça. Tu doutes quoi? Tous. J'ai appris c'est mon gars de l'auto-école là. Et puis il y a eu le pointeur du taxi là. Et puis il y a eu le chauffeur de Baka. Le conducteur de motocycliste, ça t'a amusé. Et puis il y a eu. Tu te rappelles, non? Le chauffeur de bus là, Ali. Et puis il y a eu aussi le cycliste. Et puis le chauffeur de mobilette là. Oh, ma chérie, es-tu? J'allais oublier même. Le chauffeur à la présidence là. Et puis l'ambulancier. Oh. En tout deux. J'ai dit. Tu n'as pas par hasard eu un pointeur pour ça de moto. Princesse. Comment tu as su? Je ne voulais pas te dire ça, oh. Ok, princesse. Il faut que je me concentre. Il faut que je nous ramène à la maison sans problème. Hé, hey, Antou, princesse, où vous êtes allée chercher ce monsieur-là encore? Hé, hey, mon frère, faut nous féliciter. On revient de très loin. Qu'est-ce que vous avez fait à ce pauvre monsieur? Mais il est ivre mort. Teddy, mon frère, on ne te dit pas, hein. On l'a plutôt sorti d'une très mauvaise situation. Faut nous remercier, hein. Je suis sûr que c'est un ami de Antou. Comment tu as su? C'est Antou qui peut avoir ce genre d'amis là. C'est qui est su? Le vieux père ne veut pas nous créer de problèmes. Bah, tu sais, l'ami porte conseil. Il aurait repris ses esprits demain. Et là, il pourra nous dire ce qu'il faisait au maquis. Tu comprends? Eh Dieu tout-puissant! Aie pitié de moi, oh! Aie pitié! Mon mari a encore disparu. Il a vraiment changé depuis un certain temps. Eh? Je ne le reconnais même plus, mon mari. Oh, ma chérie, le mieux serait que tu jeûnes pour renforcer tes prières. Mon mari. Eh, mon chéri, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas entendu me dire « mon bonbon glacé ». Mon Dieu, pardon. Réinstalle l'amour dans le cœur de mon mari. Hein? L'entente au sein de mon foyer. Eh, mon Dieu. Antou, où est passé le monsieur d'hier soir? Il n'est pas dans la chambre, hein? Il faut qu'il rentre à la maison chez lui maintenant. Ah. Tu devrais contacter sa famille pour lui expliquer ce qui s'est passé, hein? Moi-même, Antou. Lui-même, il va appeler. Je ne veux pas de problème avec sa femme. Bonjour, les filles. Merci pour hier. Hey, bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Hey, mais c'est ma serviette. Ah, tonton, tu aurais pu prendre pour Antou. Mon petit oiseau, tu es là. Eh, hey, Dieu merci. Mais tu fais quoi, ces sorciers-là? Hein? Tu ne peux pas rester à la maison un jour. Hey, mon chéri, mon petit oiseau, tu vas me tuer un jour. Hey! Mon café baoulé. Je n'ai rien. Je t'assure, je te jure. C'est l'alcool qui m'a trompé. Hey, mon petit café baoulé. Hey, mais c'est qui celle-là encore? On dirait que c'est sa famille. Et Antou nous a mis dans le problème encore. Tout ça là, c'est toi, Antou. Hein? Toi, ça ne va pas chez toi ou quoi? C'est à moi que tu fais ça. Hein? C'est à moi ton café baoulé, tu fais ça. Non, mais c'est-à-dire... Ça suffit! Ça suffit! Rentre tout de suite! Toi, là, vous trois, les sorciers du quartier, là. Ah,
Tanti Marceline, celui-là, nous, on ne le connaît pas, hein, c'est qui? Petite curieuse. C'est mon mari, il est toujours en voyage. Et puis, ne vous approchez pas de lui, hein. Je vous ai à l'œil. Regarde ce que tu as fait. Regarde la voiture. Mais si tu ne vois plus clair là, gagne la voiture pour un taxi. Lui aussi, oh. On crie sur lui et puis ne dit rien. Tanti Marceline est mariée. Oh, ça c'est un scoop, hein? C'est un scoop. Moi, je n'ai rien à faire ça. Et puis, ils sont même ma serviette, hein. Tout ça, c'est un tout. Et les filles, c'est vous qui cherchez par là-bas Tanti Marceline, là? Eh, si on savait, là, on allait le laisser où il était. Oh. Oh, vous avez bien fait, les filles. Vous avez bien fait de la raser. Façon, elle m'énerve, celle-là. Hé, hey, mes copines! Ça fait 2 semaines que mon mari a disparu de la maison. Hey, je souffre. Hey, vraiment, les hommes, comment tu peux déserter ton foyer ici? Hein? Du courage, ma soeur. Le mieux serait que tu te concentres sur ton travail. Mais il y a des hommes qui sont sans morale, oh! Hé, hey, mes copines, je fais des efforts, mais c'est difficile. Vous n'avez pas idée. Excusez-moi, Marceline. Je peux vous voir un instant? Bien, monsieur. Et les filles, attendez-moi, je reviens tout de suite. Mon cœur sucré, je te manque déjà? Je t'avoue que moi aussi. Hé, mon sucre d'orge, tu sais que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Viens là que je te câline un peu, mon cœur. Oh, j'ai des soucis avec ma femme. Cette sorcière me dit qu'elle est enceinte. Elle n'arrête pas. Elle passe son temps à me faire des cadeaux, à acheter chaque jour de nouvelles choses. Tout ça, avec mon argent. Ça me fatigue maintenant. Pas question, hein? Cette voleuse ne doit pas avoir un rond. Bonjour la vieille mère, je suis venue voir Bisou. Encore toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi encore? Je t'ai déjà dit qu'elle n'a pas le temps. Regarde, faut pas tu vas faire fuir nos pointeurs, hein? Ah, la vieille mère, tu me prends pas au sérieux, hein? C'est qui même? C'est pas... Encore toi! On t'a pas dit de ne plus venir ici. Vous faites une erreur, hein, de rejeter un futur riche de ce pays. Tiens, comment vas-tu, fiston? Tu fais quoi ici? Hé, celui-là, c'est mon vieux père. Princesse, tu vois ce que je vois? Princesse, pince-moi pour que je me réveille. Aïe! Ah, princesse, j'ai m'amusé, non? Ah, ben dis donc. C'est décidé. En tout, annule tous mes rendez-vous. Et Dieu, regarde comme il est beau. Mais c'est un ange. Regarde, il doit être un type bien, ce gars. Vois son regard de lion. Sa démarche de prince. Waouh. Oh. Celui-là, il me le faut sur ma liste. Princesse, ne te fais pas penser à quelqu'un. Si. Il me fait penser à tous tes gars bizarres que tu as l'habitude d'envoyer à la maison. Hey, vieux père, on dit quoi? Il y a longtemps, on te voit même plus, tu voyages seulement. C'est le travail qui veut ça, hein? Mais comment tu vas, mon petit Eli? Oh, il va trop bien. De toute façon, on s'occupe bien de lui, là. Viens, mon petit. Tu voulais voir Bisou, non? Mais son vieux père doit être fatigué avec tous ces voyages-là. Viens te reposer un peu. On va te demander toutes les nouvelles de tes voyages. Oui. Et puis, appelle Bisou. Son bon petit est là. Bisou, viens. Doucement, les filles. Hey, tiens, mon portable sonne. Qui peut m'appeler? Oh, on ne peut plus dormir tranquille, quoi. Allô, c'est qui? Guizot? Oh.
sais quoi? J'ai passé toute la nuit à bosser. Mon petit Eli, comment tu vas? Mais tu viens plus nous voir, hein? Si, si. La preuve, je suis là, non? Moi aussi, hein? Allô, Guizot. Je te rappelle, je suis très occupé en ce moment. Et comme c'est bientôt les fêtes, je voudrais savoir si tu n'étais pas occupé. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de sortir, hein, avec tous les exercices que j'ai à faire, là. Ok, ok. On va se calmer. Toi, tu nous suis tout de suite. Excusez-nous, hein. Une minute. On a quelque chose à régler rapidement, là. Mais c'est qui l'autre gars, là? Mais bisous, qu'est-ce que tu fais comme ça? Hein? Le petit Eli est trop gentil pour que tu refuses son invitation. Pourquoi tu le traites de la sorte même? Hein? Pourquoi tu fais ça? Il faut que tu acceptes ton invitation. Hein? Non, je dois bosser. Actuellement, je n'ai pas le temps de vagabonder. Eh, hey, bisous. Il est à faire quoi? Fais-lui plaisir un jour, c'est ton ami. Oh. Vous là, vous êtes sûr que c'est à cause d'Eli que vous faites tout ça? Dites plutôt que vous lorgnez son ami, ouais. Tu sais ça, et puis tu nous fatigues. Léa, dépêche-toi de venir dire à Eli que tu acceptes son invitation. Parce que nous, il y a notre intérêt là-bas. Dis, chérie Marceline, tu pourrais me passer un peu d'argent? C'est dur sur moi, ce moment-là. Il n'y a rien. Mais je te jure qu'il a été remboursé. Promis juré. Oui, c'est ça. Arrête de me raconter tes problèmes là. Dis plutôt que tu vas gaspiller tout ton argent dans l'alcool et avec ces sorciers là. De toutes les façons, je n'ai rien à te donner. Actuellement même là, j'ai juste le transport pour aller au bureau. C'est tout. Maman, j'espère que tu vas me gérer avant de partir. Toi, Guizot. Tu me fatigues trop! Tiens, prends ça. Merci, maman. Tu es vraiment très gentil. Je dis un grand féticheur. Tu es sûr qu'avec ça, là, il ne va pas retourner chez sa femme. Faut bien faire des... Hein? Tu sais que tu es l'une de mes meilleures clientes. Je te donne des choses efficaces. Tu n'as rien à craindre. Avec ça, il n'y a aucun garçon qui va te résister. Mais... fais attention, mets seulement une cuillerée dans son plat. Toi, tu es bien. Je suis sûr que tu verses toute la bouteille dans la nourriture de ta femme. Et puis moi, tu veux que je me retienne. Je vais doser ça propre. Oui, oui, dimanche chez nous à la maison. Oui, n'oublie pas d'inviter Princesse et dis à Antou qu'il y aura de la bouffe à gogo. Allez, je te laisse. Gros bisous, je dois voir mon patron. Oui, monsieur Akpes, vous m'avez demandé? Allô? Ok, je te rappelle le week-end. Oui, salut. Quelque chose ne va pas? Ça fait un moment que je voulais vous parler d'un problème très important. J'ai trop envie de vous... Mais non, vous avez perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il vous prend? Princesse, il n'a qu'à envoyer la bouffe, tu vas voir. Je ne vais pas me calmer ici. Hé hé, joli garçon. Oui, allô? Oui, allô, c'est qui? Oui, ça ne va pas trop, hein. Je suis malade. J'espère que tu sais que c'est juste une sortie, hein, et rien d'autre. Oui, oui. Je sais, ne t'inquiète pas. Mais j'ai mis ça en prière pour que ça devienne beaucoup plus. Ok, j'arrive. J'ai besoin de prendre l'air. Ne dis pas trop, hein. Sinon, tu risques de t'ennuyer. Je t'accompagne si tu veux. Quoi, le bruit? Ah, c'est pour me remonter le moral. Hein. Allô? Allô? 15e anniversaire de mariage. C'est romantico. Si mon amour n'avait pas disparu dans la nature, on faisait pour nous aussi. Tu penses encore à celui-là?
tu aurais dû accepter mes avances. À part quelques malhonnêtes ici, tout le monde est invité. En tout cas, voici la carte d'invitation. Je veux voir tout le monde. Ouais, on va faire le show. Toi là, je veux pas te voir avec une sorcière là-bas. Hein. Vous les hommes, vous êtes trop forts dans ça. Ça me dit soit dehors quoi. C'est Babi qui est doux à l'air. Est-ce qu'il y a un moment plus intéressant que ça? En tout, pardon. On vient d'arriver, faut te calmer s'il te plaît. Calme-toi. Oui, je me calme quand on se trouve devant un plat de poulet. La bouffeuse. Elles vont me rendre folle ces deux filles. Je suis fatiguée. Je vais les abandonner ici et partir. Oui, c'est ce que je vais faire. Bisous. Chiii, Guizou, le pointeur dans tout. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais que fais-tu ici toute seule? Moi, rien. Enfin, je médite un peu. Je réfléchis à mon avenir. Tu vois quoi? Il faut que je le retienne. Il ne faut pas qu'il voie en tout. Tu as vu méditer à la rue princesse? Oui, enfin, non. Des fois, le bruit là, c'est bon. Au fait, ton père a dormi chez nous la dernière fois. Je ne le connaissais pas. Boogie, mon père? Non, c'est un copain à ma mère. Ça fait juste quelque temps qu'il n'est pas là. Ah bon? J'ai cru que... Ok, bisous. Je te laisse. Je dois rencontrer des amis à l'intérieur. Quoi? Guizou, tu vas me laisser comme ça, en pleine rue là. Viens, je connais un endroit plus chic. Bisous, mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend à l'intérieur? C'est qui celui-là? Ça ne te regarde pas. Entre, j'arrive. Très bien. Je vais dire à Antou et aux autres que tu veux nous abandonner. Antou? Du calme. Tu n'as pas bien entendu. Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-la tranquille, elle n'est pas ta go. Antou! Toi, retourne méditer sur ton morceau de brique là-bas. À une belle et longue amitié et à plus et surtout à une belle soirée. On va festoyer. Les filles, Bisou me trompe, je l'ai surprise en train de discuter avec Antou. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce type? Avec qui? Ah, Guizou. Mais c'est quoi ça là? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu daignes m'accepter? Hein? Je ne suis pas suffisamment bien pour toi. Et toi là, ça suffit maintenant, hein? Ça suffit. Si toi, tu n'as pas honte là, nous là, on a honte. Tu as entendu? Allez Antou, on s'en va d'ici. Mais princesse, attends. Qui va finir les boissons là? Ça c'est un drap, hein? Ouais, je t'ai dit, hein, mon gars. Antou, attends. Excuse-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde-les. Regarde comment c'est malheureux. Allô? Comment peux-tu m'appeler maintenant? Tu as vu l'heure qu'il fait? Et puis ma femme est juste à côté. Hé, hey, monsieur Akpès, pardonnez. Portez quelque chose rapidement et trouvez-nous au chute de Yopougon. Pardon, c'est urgent.
Hé, ce petit Guizot là, il a tout fait pour nous créer des histoires. Voilà ça maintenant nos chus. Bon, je pense que nous, on va y aller. Tanti Marceline est arrivée. Oh, tiens, oui, parce que moi, j'ai sommeil même. Ah. Hé, hey, mon fils, Guizot, regarde-toi. Comment tu as pu me faire ça? Regarde ton état. Hé. Hey. Hé, hey, Guizot, tu ne sais plus traverser la route ou quoi? Hé. Oh, arrête, bébé. C'est des choses qui arrivent. Tu sais que tu es mon seul espoir. C'est quoi tu me fais comme ça? Tu n'as pas le droit de me... Oh, qui m'appelle à cette heure? Oui, allô, c'est qui? Pouah, j'ai soif. Je me sens même pas bien. Oh. Si seulement j'avais une bonne bière bien glacée pour me rafraîchir la gorge. Oh. Oh, ma tête. C'est moi, je suis au parking. Retrouve-moi là, je t'attends. Celle-là, elle commence sérieusement à me fatiguer. Mais c'est Princesse? Oui, c'est bien elle. Mais elle m'a dit qu'elle était souffrante. Celle-là, elle va m'entendre me faire ça à moi? Allô, Princesse? Oui, allô, c'est qui? C'est Apes, tu es où? Ça ne va toujours pas chez moi. Je suis à la maison en ce moment. Ah oui? C'est bizarre. Je suis juste derrière toi, mais dans un hôpital. Ichi! Chérie! On dit quoi? Quelle surprise! Oui, pour une surprise, c'en est une. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pas menti maintenant? Tu ne m'as pas dit que tu t'es couché à la maison? Mais attends! Tu n'as pas remarqué que c'est un hôpital ici? Hein? J'ai été évacuée d'urgence ici. Et c'est grâce à mes amis. Je n'ai pas voulu t'embêter, c'est tout. Tu as raison, hein? C'est parce que tu me vois sur pied que tu t'énerves. C'est ça. Bon, bon, tu as raison. On se calme. Ne te fâche pas, hein? Tiens, prends ça pour tes soins. Et repose-toi. Et... Ok, j'ai compris. Tu m'appelles quand tu veux. Bye. Aïe. Apes, c'est ici que tu es? Tiens, Marceline. Ah oui, c'est vrai qu'on avait rendez-vous ici. Oui, et tu m'as dit que tu étais à la voiture, n'est-ce pas? Bon, ok, c'est bon. Donne-moi l'argent, il faut que je retourne auprès de Guy. Oui, l'argent. Mince. L'argent, je l'ai remis à Princesse. Hé, vraiment? Tu ne sais plus quoi faire, oh. Ça devient vraiment inquiétant, oh. Je t'ai dit, oh, les garçons sont trop mauvais. Il faut l'oublier. Tu m'as dit qu'il était passé une fois prendre ses affaires à ton insu. Cela veut dire que... qu'il ne lui est rien arrivé. Mais s'il voulait me quitter là, il n'avait qu'à me le dire. Hein? Ou bien? Arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre et réagis. Je pense que c'est ce qui va arranger les choses. Bon. Il va falloir que tu te décides. Tu ne penses tout de même pas que tu vas nous avoir toutes les deux. Le temps passe. Il faut que tu te décides. Tu ne veux plus de Antou? Ou c'est Princesse que tu veux? Alors décide-toi. Arrêtez les filles. C'est trop tout ça. Il faudrait peut-être essayer de vous faire respecter un peu. Et toi là, qu'est-ce que tu vas nous dire? On se fait respecter, hein? Oui, qu'est-ce que tu crois? Invite-nous en boîte. Tu vas voir si on se fait respecter ou pas. Oh. Tu vas apprécier. Hey. Ouh, à la locodrome? Et encore celui-là. Oh.
Oui, allô, mon chou. On dit quoi? Tu m'as manqué, hein? Princesse, je suis dans le restaurant juste à côté de toi. Tu as intérêt à venir tout de suite. Cette fois, tu ne vas pas m'échapper. Ouh! Cette fois-ci, là, je suis foutue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Il faut que je trouve un moyen de doubler ce cas-là. Hey! C'est là-bas que tu vas encore. Chez ces sorcières-là. Hey! La fille. Va chez moi, sinon. Je suis mort. Où est-ce que tu t'en vas? Reviens ici. Il faut que je me cache. Tu fuis pour aller où? Viens m'affronter. Les filles, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? C'est quoi tout ce bruit? Je ne pourrai jamais travailler. Ma fille, pitié, sauve-moi. Hein? Sors d'ici. Tu n'as pas honte. Pitié, mon cœur. C'était trop. Dis-moi, il fallait que je boive. Juste un peu. Et c'est pour cela qu'il faut que tu vides tout mon porte-monnaie, c'est ça? Hein? Mais Tanti, il faut arrêter de crier sur ton mari devant les gens. Ma Céline, je t'ai attrapé. Tu n'as pas dit que j'étais ton seul homme? Monsieur Akwes, qu'est-ce que vous faites ici? Oups, ça m'a échappé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, vous êtes loin de chez vous ici. Ma Céline, c'est qui ces messieurs? Tu peux m'expliquer ce qu'ils racontent? Hé, hey, attends, on va régler pour toi d'abord. Oui, réglez vos problèmes. Moi, je ne faisais que passer. Apparemment, tu fais partie du problème. Donc reste. En plus, tu dois des explications à beaucoup de gens ici. Hey. On dirait que cette affaire est en train de se compliquer. Hey, vraiment, les hommes, on ne peut même pas leur faire confiance. Ma Céline, tu as gâté ton nom. Je pense que vous devriez rentrer à la maison. Ouais. Mais c'est la seule qu'on a attrapée ici, hein? Pourquoi? Moi, je n'ai pas honte, vous comprenez? Et puis, je ne suis pas la seule à faire ça. Bonsoir, bisous. Hé, hey, tu es là. Les filles ne m'ont rien dit. Hé! Dans tout ça là, mon Thomas, je ne le retrouve toujours pas. Du courage, ma sœur, ça va aller. Mon bonbon sucré. Mon Thomas sucré. Oh, mon bonbon sucré, c'est toi. Dieu merci. Dieu merci, tu m'as ramené mon Thomas. Viens dans mes bras, mon bonbon sucré. Tu vas t'expliquer après, hein? Mon bonbon sucré, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 heures que je ne t'ai pas vu. Tu veux ma mort ou quoi? Arrête! Tu vas m'étouffer. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Il a dû se tromper. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas mes consignes. Je lui avais pourtant dit de prendre juste une cuillerée. Mais vous connaissez les femmes. Pour elles, l'amour d'une cuillerée, c'est trop peu. Elle a préféré vider la bouteille. Voilà maintenant le résultat. Sa victime est complètement consumée par le sortilège. Ma seule satisfaction, c'est que cette fois, mon bas a bien pris. Toi, tais-toi! Tu ne pouvais pas diminuer la dose avant de me remettre. Sors d'ici! Fouleuse de mari. Mais mon bobo secret. Toi, tais-toi!
Ok, maintenant, il faut qu'on s'occupe de ces deux-là. Monsieur Akpès et puis tante Marceline. Quoi? Non, c'est sûr, ça doit être la boisson. Toi, princesse, ne m'énerve pas, hein? Tu sais que c'est toi que je suis venue voir. Tu bouffes tout mon argent et puis tu racontes des bêtises. Princesse, tu es encore dedans. Voleuse de mari. Tonti, il faut laisser ça. C'est le monsieur là même qui veut qu'on le coupe. Lui là, il ne drague pas, hein. Il harcèle. Donc nous aussi, on harcèle ses poches. Madame, toi seulement, tu peux harceler mes poches. Il me faut une femme comme toi. Une femme douce et belle comme toi. Regarde ce bouquet. Il est pour toi, mais tu sais, ce n'est rien du tout. Accepte-moi auprès de toi et tu verras ma générosité. Ça veut dire quoi? C'est ma femme que tu dras comme ça? Monsieur, l'envoûtement est passé. Hein? Mon bonbon sucré. Tiens, mon frère. Toi, ça va te soulager. T'es soulagé. Bonsoir, Bisou. Comment tu vas? En fait, c'est toi que je suis venu voir. Quoi? Donc, tu veux nous mettre en palais, ma petite sœur et moi? Tu as raison, tout. Attends, il veut dire quoi? Donc, toutes nos techniques de drague qu'on a fait sur lui, là, c'est cadeau, quoi. Il m'en est. Sont dans la cité, oh. Physiquement différent.